tout le monde, jour 2 du défi 10 000 pas par jour. Donc là, il est 13h30 et j'ai déjà fait 7218 pas ce matin. Donc aujourd'hui, bah, il faisait quand même un petit peu meilleur, donc j'ai pu faire un tour plus grand dans mon village. Donc j'ai pas fait mon petit tour de 2000 pas, j'ai fait un tour un peu plus grand. Et puis j'ai plus marché en fait, même en travaillant ce matin, je me suis plus levée, j'ai plus marché. Et du coup, vous voyez, ben, il est 13h30 et je suis déjà à 7002. Donc en fait, quand on y pense et qu'on se dit qu'il faut qu'on marche, eh ben, on se lève naturellement, on marche plus. Voilà. Je me dis, c'est pas grave si je dois aller chercher quelque chose dans ma cuisine. J'ai moins la flemme, en fait, je me lève, j'essaie pas de grouper mes déplacements, j'en fais plus. Et du coup, je préfère parce que hier, je comptais un peu mes pas et c'est vrai que je me disais, là, il est déjà telle heure, j'ai encore pas fait 10 000 pas. Donc là, je pense que je vais les faire largement, parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous au centre-ville et je dois marcher, donc j'aurai largement 10 000 pas. Voilà, donc aujourd'hui, il y a, en fait, en faisant des activités normales et en juste faisant une petite marche quand même à l'extérieur le matin, plus un peu plus marcher dans mes activités normales, j'arrive aux 10 000 pas. Donc c'est pas si dur que ça. En tout cas, quand j'organise mon travail moi-même, pas quand je suis en entreprise. Là, je pense qu'il faudrait vraiment faire un tour. Recoucou tout le monde. Donc là, je viens de revenir de mes rendez-vous au centre-ville. Donc vous voyez, là, en marchant tranquillement, sans m'en rendre compte, je me suis garée juste un tout petit peu plus loin que d'habitude pour aller en ville. Et j'ai pris les escaliers ou les ascenseurs dans les bâtiments dans lesquels je suis allée. Et bien là, je suis à 10 700 pas et il est un peu moins de 16 heures. Donc là, je pense que j'ai un peu trop marché aujourd'hui. Alors, mon but, c'est pas de faire 20 000 pas par jour non plus, parce que, je vous rappelle, j'étais à 5 300 de moyenne sur le dernier mois, donc je vais pas non plus tripler mes pas. Après, mon corps va peut-être fatiguer un petit peu. Je veux juste arriver, si possible, dans les 10 000. Donc là, écoutez, je vais un petit peu travailler tranquillement mon bureau, donc je vais pas trop marcher. Je vais reposer un petit peu mes jambes, et puis, en fait, vous voyez, en se garant un peu plus loin, en faisant une petite marche ce matin, et en montant les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, on arrive quand même vite à 10 000. C'est pas si dur que ça. Dites-moi vous en commentaire si vous avez pris en cours ce défi, si vous êtes donné un petit défi, si c'est aussi 10 000 pas ou autre chose. Dites-moi, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires pour qu'on se motive tous ensemble. À demain.